Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans ce nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une facture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour ou bon après-midi plutôt pour ce débat sur comment mieux organiser le partage des pouvoirs dans l'entreprise. Je suis journaliste économique, j'essaie de comprendre le monde à travers l'économie et je suis parvenu à la conclusion que cette question est absolument au cœur de tout ce que nous avons à résoudre. Et pour 3 raisons que je vais évoquer brièvement avant d'appeler les panélistes à me rejoindre. Ces 3 raisons sont l'argent, l'information et la nature même de la production. L'argent tout d'abord. Nous sommes dans une situation depuis 40 ans, pour des raisons idéologiques plus que juridiques ou politiques, où un acteur dans l'entreprise a pris beaucoup de pouvoir, trop de pouvoir sans doute, et c'est l'une des explications de la crise économique que nous vivons, qui est aussi une crise du capitalisme. Capitalisme, pas dans un grand mot, mais dans l'acception que lui donnait Joseph Proudhon. Hein, le capitalisme, c'est un système de production où ceux qui produisent ne sont pas ceux qui possèdent les outils de production. Et cet acteur dans l'entreprise qui a pris trop de pouvoir, selon moi,
c'est l'actionnaire. C'est l'actionnaire et nous avons donc un problème majeur de répartition dans l'entreprise. Aux États-Unis, la part des profits dans le produit intérieur brut n'a jamais été aussi élevée. Il s'était passé la même chose dans les années 30 et on avait lu la crise des années 30 comme une crise de surproduction. On a bien vu ensuite que ce n'était pas une crise de surproduction, c'était une crise de sous-consommation. On savait produire davantage, mais on ne savait pas comment faire consommer davantage. Et au cœur de cette question, il y avait un problème de répartition, un problème de pouvoir financier, économique dans l'entreprise. On l'avait résolu dans les années 30 en jetant l'actionnaire pratiquement en dehors du champ de pouvoir. Il est revenu, ce qui était légitime, mais il est revenu avec sans doute trop de force. Petit bémol, c'est vrai pour la plupart des pays développés, c'est un petit peu différent en France, hein, où la part des revenus captés par les entreprises est au plus faible, est au plus bas depuis 25 ans. Donc on a une situation qui est vraie aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, c'est un petit peu différent en France, mais le problème est tout de même un problème majeur de répartition des pouvoirs en entreprise. La deuxième raison, c'est l'information. L'exercice du pouvoir, c'est souvent pouvoir dire qui doit savoir et qui ne doit pas savoir, ou qui devra savoir plus tard. C'est le pouvoir de délivrer l'information, de la faire circuler. Or, il est évident qu'aujourd'hui, avec les technologies de l'information, avec Internet, avec Twitter, avec Facebook, la circulation de l'information a radicalement changé. C'est vrai dans la vie politique, on le voit tous les jours. Un Twitter peut déclencher une série d'événements qui étaient a priori imprévisibles. C'est vrai aussi en entreprise, où l'information que détenaient avant ceux qui avaient le pouvoir dans l'entreprise, cette information est de plus en plus fragile, elle circule de manière beaucoup plus horizontale qu'auparavant, et ça change radicalement la façon d'exercer le pouvoir en entreprise, et il faut bien en avoir conscience. La troisième raison, c'est la nature même de la production. Là, je serais presque marxiste. Karl Marx disait que la façon dont est organisée la production joue un rôle absolument fondamental dont est organisée la société. Et nous avons une production qui est en train de changer de manière profonde. Jusqu'au XVIIIe siècle, nous avions une économie de production. Chacun produisait ce dont il avait besoin. Il y avait des échanges, pas beaucoup, et on avait une productivité qui était très faible. On est passé ensuite à une économie de reproduction. Ça a été la révolution industrielle. Et donc, dans cette économie de reproduction, est apparue l'entreprise. Et dans l'entreprise, il y avait des gens qui disaient comment il fallait faire et des gens qui faisaient. La dimension la plus limpide de ça, hein, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin. Vous le voyez dans sa chaîne de production. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit ce qu'il devait faire. Et lui, il fait avec plus ou moins de bonheur. Maintenant, nous sommes en train de passer dans une économie qui est très différente, qui est une économie de conception. Et dans une économie de conception, on ne peut pas demander, on ne peut plus avoir cette organisation pyramidale du pouvoir où quelqu'un en haut dit ce que doivent faire les gens en bas. Et donc nous sommes dans une entreprise où le pouvoir doit être organisé de manière complètement différente, ce qui pose aussi la question des sources de légitimité, hein, puisque la source de légitimité devient très différente dans cette économie où chacun ou presque doit apporter sa parcelle, sa contribution à la production, à la façon dont se font les choses. Et donc le pouvoir doit être organisé de manière radicalement différente. Voilà pourquoi, pour ces trois raisons, je crois que cette question est absolument centrale dans la vie de l'entreprise et plus largement dans la vie économique. Et j'appelle maintenant les trois intervenants à me rejoindre. Donc Philippe Castagnac, vous êtes CEO du groupe Mazar, donc audit et conseil, vous nous en direz un petit peu plus. Isaac Goetz, vous êtes docteur en psychologie, professeur à l'ESCP Europe, vous avez à la fois une formation en psychologie et en management. Et puis Jean-Claude Seyss, Jean-Claude, vous présidez à l'Institut Diderot et vous avez fait une longue carrière dans la finance, dans la banque, dans l'assurance et dans le milieu mutualiste. Et le mutualiste, c'est l'une des façons où le pouvoir est organisé différemment en entreprise. Hein, puisque dans l'entreprise capitaliste, le pouvoir appartient aux actionnaires. Dans la coopérative, le pouvoir appartient aux ouvriers, à ceux qui font, aux producteurs. Et dans le mutualisme, on a une organisation différente où le pouvoir appartient en principe aux adhérents, qui sont donc les clients à l'origine. Et donc, cette question du partage du pouvoir, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qu'elle vous évoque par rapport à votre, justement, à ce passé, à cette expérience ? La question, d'une manière générale, et votre introduction en particulier, m'interpelle et me pose beaucoup de problèmes.
Je voudrais dire que pour moi, le pouvoir, ce n'est pas une matière. L'argent, oui, on peut partager l'argent exactement comme on veut, sur les critères que l'on veut. Le pouvoir, c'est une forme de relation entre des hommes au sein d'un groupe. Donc on ne peut pas l'imaginer d'une manière théorique. Il y a des aspects culturels, il y a des aspects psychologiques, des aspects individuels, etc. Les hiérarchies théoriques ne sont pas toujours les hiérarchies réelles et tout ça. Et donc je pense et j'espère qu'on va jeter un peu de lumière sur le problème même du pouvoir avant de parler de son partage. Il faut savoir ce que c'est. Parmi vous, ceux qui sont économistes et qui ont étudié la théorie de l'agence savent qu'une entreprise de 50 000 personnes, ça n'existe pas. C'est 50 000 entreprises d'une personne qui ont chacune leur intérêt, leur culture, leur motivation, leur situation dans l'espace, c'est-à-dire l'information, le rôle qu'ils peuvent avoir. Et toutes ces énergies, quand elles sont laissées en liberté, ça donne quoi ? Un mouvement brownien, c'est-à-dire il n'en sort rien. Et le pouvoir légitime, le pouvoir adapté, ça va être un moyen de faire en sorte que toutes ces forces qui se dissipent normalement dans un mouvement brownien s'organisent pour avoir une véritable résultante. Idéalement un faisceau laser, évidemment, aucune entreprise ne tend vers une pareille cohérence. Mais le pouvoir, ça sert à quelque chose. Ce n'est pas pour rien que depuis la nuit des temps, tous les groupes humains ont toujours été hiérarchisés et que même au-delà des humains, les primates le sont et beaucoup d'autres espèces animales. Donc le pouvoir, c'est quelque chose d'utile et il y a des lignes de force assez naturelles à son partage. Parce que le pouvoir, c'est pas seulement... Il faut évoquer le pouvoir, l'autorité et la légitimité, vous l'avez dit. L'autoritarisme, qui est une autre chose, et souvent des critiques qu'on formule à l'égard du pouvoir sont en réalité des critiques à l'égard de l'autoritarisme. C'est un vrai problème, on en parlera. Et puis, dans la façon d'exercer, il y a le pouvoir hiérarchique, le pouvoir institutionnel, il y a le leadership, il y a le pouvoir technique, le savoir qui est une source de pouvoir technique, il y a l'information qui est une source de pouvoir. Donc les choses sont éminemment complexes et contrairement à ce que j'ai cru comprendre de votre propos, il ne faut pas imaginer qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui détient le pouvoir. Moi, je participe à des assemblées générales où il y a des actionnaires qui disent « mais on nous a confisqué le pouvoir ». Ce n'est pas les actionnaires qui détiennent toujours le pouvoir, c'est souvent le management. Le management, moi j'ai connu des managements, d'abord qui sont fait vider, et j'ai succédé à une personne dans ce cas, par les collaborateurs, et par conséquent, est-ce que c'est lui qui avait le pouvoir ? J'en doute. Oui, le pouvoir, c'est quelque chose de plus, beaucoup plus difficile à saisir qu'un simple, une simple affirmation sur des rapports sociaux normalisés. Philippe, vous travaillez donc... dans un cabinet d'audit où on est en partenariat. Et donc, il y a une organisation du pouvoir aussi qui n'est pas tout à fait celle qui est dans la plupart des entreprises. Par rapport à ce que disait Jean-Claude, comment est-ce que vous voyez cette notion de pouvoir ? Comment vous la percevez ? Comment vous percevez son évolution ? Alors moi, je dirais qu'effectivement, un partnership, parce que ce n'est pas un partenariat, vraiment, c'est un partnership. C'est-à-dire... Je faisais une traduction française sauvage. Vous avez raison. Mais je pense que tout le monde avait compris. Donc, on ne devient pas... associé d'un cabinet de service, comme un cabinet d'audit ou de conseil, par hasard. C'est pas comme une action en bourse qu'on achète au gré de ses désirs ou de ses souhaits. C'est une démarche construite. Et la première chose qui est à partager dans cette approche, c'est le projet. Et c'est ce qui fait sans doute la distinction entre un partnership, comme je le disais, et une société classique. Parce que tous ceux qui sont intégrés dans cette approche sont des gens qui partagent un projet, une vision et une façon de le décliner. Alors évidemment, le pouvoir au sein de ces partnerships, il s'exerce par la décision, l'action. Et donc, ce que l'on arrive à communiquer et les moyens dont on arrive à convaincre les différents membres de ce partnership qu'il faut aller dans cette direction, à ce rythme-là, pour atteindre tel et tel type de position ou tel et tel type de part de marché à horizon de 10 ou 15 ans. Donc c'est une démarche globale qu'il faut effectivement partager au sens communication. Vous l'avez évoqué d'ailleurs dans votre propos. Je pense qu'effectivement, dans les partages du pouvoir, au-delà du consensus qu'il faut atteindre dans les partnerships pour arriver à emmener et à diriger le bateau, il faut effectivement communiquer. Parce que partager un projet ou partager une vision est une chose, le moyen d'atteindre l'objectif en est une autre. Donc il faut effectivement échanger l'information le plus possible, arriver à partager le savoir et donc avoir des associés qui soient en mesure d'apprécier l'orientation, le rythme,
la décision et le chemin sur lequel on s'engage. Et c'est à partir de là que la responsabilisation de l'ensemble des acteurs est un élément clé. Parce qu'on ne motive pas, alors que ce soit des collaborateurs dans une entreprise classique ou des associés dans un partnership, on ne les motive pas sans les responsabiliser. Et on ne les responsabilise pas sans les motiver. Donc à partir de là, c'est effectivement un partage de la parcelle d'action, de la parcelle de décision qu'il faut effectivement échanger entre nous pour faire avancer le bateau. Alors c'est un cas très particulier. Mazars, 70 pays dans le monde, 13 000 personnes, 750 associés aujourd'hui, dont 170 en France. C'est évidemment un paquebot, devenu un paquebot, et c'est précisément cet échange d'informations et cet échange de consensus sur le projet et sur la direction dans laquelle on va qui permet au bateau d'avancer et de se mouvoir, car il y a 13 000 rameurs dans ce bateau, puisqu'évidemment tout le monde pousse dans la même direction. Donc c'est effectivement un cas particulier, mais c'est le sens du pouvoir, le sens du partage du pouvoir qui est celui du projet, de la responsabilisation, de la motivation et donc de l'action. Merci. Donc Jean-Claude Seiss nous explique que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut croire et que le pouvoir est déjà extrêmement partagé en entreprise, puisqu'un patron peut se faire virer par ses actionnaires, mais aussi parfois par ses collaborateurs. Vous nous expliquez que pour exercer le pouvoir, il faut convaincre et savoir responsabiliser. Isaac, vous êtes donc enseignant, consultant. Vous avez vu ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Quelles sont vos premières réactions par rapport à ça? Et est-ce que vous pensez qu'il faut mieux organiser ce partage? Je vais profiter, Jean-Marc, pour préciser ce que je fais. Donc, je ne suis pas un consultant. Et je suis effectivement professeur et conférencier, chercheur aussi, à l'ECP Europe. Dernières 5 années, j'ai étudié des entreprises dans 4 pays, une trentaine d'entreprises, dans lesquelles le pouvoir était rendu à ceux qui l'ont potentiellement. C'est-à-dire les gens qui fabriquent, rendent des services et vendent, les gens de première ligne. En anglais, on dit les front line. C'est du bon sens économique, c'est les seuls qui créent la valeur économique, c'est pas le management, c'est pas les dirigeants. Si l'entreprise doit marcher, prospérer, c'est grâce au travail que ces gens font. Ils ne l'ont pas ce pouvoir généralement parce que ce pouvoir est capté par le management. Donc je rejoins un certain nombre de choses qui étaient faites ici. Je rejoins aussi, c'est pas moi qui l'ai inventé, une métaphore sur l'organisation typique de l'entreprise aujourd'hui. Vous avez évoqué, Jean-Marc, que des choses changent. C'est pas ce que j'ai observé. Les choses ne changent pas. En grande majorité, les entreprises sont, alors certains, Gary Hamel, les appellent marxistes, bolcheviques, c'est-à-dire globalement plus ou moins autoritaires. Oui, il y en a des gens toujours au sommet qui savent tout, qui décident de tout, et qui donnent plus ou moins des instructions au prochain niveau, etc. Et ça descend vers, on peut appeler ça le peuple, ou des gens de première ligne, etc. Le résultat de ça, que l'entreprise pour prospérer devrait avoir 100% des rameurs qui rament, la situation n'est pas du tout de cette nature. Les sondages Gallup, les études qui sont faites chaque 6 mois, en 2011, en France, 11% seulement des salariés sont impliqués. C'est-à-dire, il vient au travail pour avancer l'entreprise, le fameux bateau. Vous avez 61% des gens que un patron m'a donné la définition la plus succincte, il vient pour partir. 61%. Il vient pour accomplir 2 actions essentielles par jour, c'est pointer le matin et pointer le soir. Quand certains ils disent, oh oui, mais la machine à café, ça c'est déjà de la créativité. Ils prennent des initiatives. Et vous avez 28% des gens qui sont activement désimpliqués, c'est-à-dire vient au travail pour saboter le travail de collaborateurs qu'eux sont impliqués. Voilà la situation dans l'entreprise moyenne. Il y a mieux, il y a pire. Ces gens-là qui viennent pour partir,
éventuellement aussi ceux peut-être qui sont à peu près toxiques, etc. On a besoin de ces gens-là, justement, pour que l'entreprise puisse être prospère, faire de la croissance, recruter, créer des richesses à la fois économiques et matérielles, et payer les impôts pour justement des entités de France regagner le triple A. On ne va pas le faire dans l'état actuel de l'entreprise. Et je termine avec l'introduction, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais si ça vous intéresse voir tous les détails, le livre s'appelle « Liberté et compagnie, Fayard », édité en février. Je termine. Et la clé de cette transformation de l'entreprise vers ceux éventuellement que vous, Jean-Marc, évoquez, est dans l'élément de numéro 1, c'est-à-dire le patron de management qui est le PDG. Et je parlerai peut-être à quelles sont les conditions pourquoi certaines entreprises ont réussi de le faire, à la fois des PME et des entreprises plus grandes. C'est possible, ce n'est pas une vision d'esprit, etc., ou une utopie. J'ai observé ces entreprises, certains existent des dizaines d'années, et ils sont tous, sans exception, des leaders de leur secteur, avec des performances que l'entreprise moyenne n'imagine même pas. Et pendant la crise, c'est eux qui survivent, les autres sont morts. Donc ils sont très contents des crises, par ailleurs, hein, parce qu'il y a moins de concurrents après. Jean-Claude et Philippe, je voudrais simplement que vous réagissiez à ce qu'a dit Isaac. Oui, bah écoute, je suis désolé, je trouve ça encore un petit peu théorique. Hein, parce que les entreprises, il y a les entreprises moyennes, petite industrie, etc. Mais globalement, il y a des phénomènes de culture d'entreprise. Et il y a un sociologue anglais qui a écrit déjà presque il y a 20 ans, qui s'appelle Charles Handy, qui a dit... Il a parlé des dieux du management. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on doit honorer Jupiter ou Zeus ou Athéna. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas avoir un comportement totalement normalisé de caractère administratif ou caractère légal, réglementaire ou autre, selon la culture de l'endroit, la culture générale et la culture de l'entreprise. Et il distingue, par exemple, on ne peut pas manager un chantier de travaux publics comme une agence de publicité ou un cabinet d'avocats. C'est tout à fait évident. C'est tout à fait évident. Hein. Mais il faut le savoir. Bon, deuxièmement, on parle du partage des pouvoirs avant d'avoir défini le pouvoir légitime et celui qui n'est pas. Une des calamités de la société française, mais probablement pas de celle-là seulement, c'est le syndrome du petit chef. Alors, il n'est pas toujours petit dans la hiérarchie. Hein. Il décide sur la base de son galon. Et il estime ne pas avoir à donner d'explication sur la légitimité de ce qu'il demande. Ça, ce n'est pas le pouvoir, c'est une caricature du pouvoir. Hein ? Y a un très très beau film de Stanley Kubrick qui s'appelle Les Sentiers de la Gloire, où on voit un général, il veut envoyer ses soldats se faire tuer, ils ne veulent pas, à la limite pas parce qu'ils ont peur de se faire tuer, simplement parce qu'ils estiment que c'est une manœuvre complètement stupide. C'est vrai, il y a dans la société... énormément de manifestations d'autoritarisme, c'est les tyrans d'un certain nombre de pays, mais c'est dans les entreprises, il y a parfois des chefs qui sont comme ça, et les petits chefs. Je peux vous assurer qu'en chef en tant que chef d'entreprise, un des grands défis qu'on a à régler, c'est le problème du petit chef. C'est-à-dire des gens qui sont nommés, parce qu'il faut bien nommer les gens qui existent, hein, on ne va pas les chercher sur la Lune, qui ont une formation technique, qui ont une formation donnée, qui ont un certain nombre de qualités, mais ce ne sont pas des chefs. Et alors, lorsqu'ils doivent donner des ordres, ils disent, ben voilà, tu vas faire ça parce que moi, j'ai la capacité de te l'imposer. Mais ça, ce n'est pas le pouvoir. C'est la caricature du pouvoir. Le véritable pouvoir, c'est justement la capacité, comme je le disais tout à l'heure, d'orienter les énergies dans le même sens. Et pour ça, il faut bien les mobiliser, cette énergie. Il faut bien les mobiliser, cette énergie. Et tous ceux qui détiennent dans l'entreprise de l'énergie, du savoir, une technicité, partagent le pouvoir. Un patron qui n'est pas informé est totalement inefficace, évidemment. Alors, ça fait peut-être partie des gens qui sabotent, comme vous disiez, mais quiconque détient une information détient du savoir. Et puis alors, une autre caractéristique du pouvoir dont tout le monde ne se rend pas compte, c'est que le pouvoir s'amortit très, très vite. C'est une pression qu'exerce une personne dans la structure. Ce n'est pas toujours le président, ce n'est pas toujours le directeur général, ça peut être le directeur de l'agence, le directeur du service. C'est une pression. Et cette pression s'amortit d'une manière extraordinairement vite. Vous imaginez qu'un patron décide de tout ? Mais alors, moi, j'ai l'impression de jamais avoir mis les pieds dans une entreprise. Quand je donnais des instructions, les 10 collaborateurs qui m'entouraient
OK, adhérer plus ou moins, repasser l'information au niveau en dessous qui adhérait encore un petit peu moins ou comprenait un peu moins, etc. Et au dixième niveau, ben les gars, ils n'avaient jamais entendu parler de mon instruction. Le pouvoir s'amortit très vite. N'imaginez pas qu'on travaille. Alors évidemment, vous avez cité tout à l'heure le film de Charlie Chaplin avec des usines automatisées, enfin des usines complètement mécanisées, etc. Et tout le monde sur la chaîne est obligé de faire le mouvement qui est imposé. Mais ce n'est pas les structures de services d'aujourd'hui. Dans la structure de service d'aujourd'hui, tout le monde a une certaine autonomie. Appelez ça du pouvoir si vous voulez, ça n'en est peut-être pas. Mais le gars qui est dans une agence, il a le pouvoir de bien recevoir le client ou de ne pas le recevoir. Il a le pouvoir de retransmettre le besoin qu'il a détecté ou de ne pas le faire. Et inversement, quand vous êtes au niveau, au sommet de la hiérarchie, ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de faire en sorte qu'il fasse son travail correctement. Le pouvoir s'amortit très très vite. Moi, je ne parle pas de théorie. Je vois ce que j'ai vu autour de moi toute ma vie. Hein. Et il y a un pouvoir d'inertie colossal. On n'a pas signé, cité ce pouvoir, mais le pouvoir d'inertie est absolument colossal dans l'entreprise. Quand un régiment ne veut pas marcher, quand une entreprise ne veut pas aller dans la région, dans la direction qu'on indique, eh ben, ça s'arrête. Hein. C'est comme ça que ça se passe concrètement. Et s'il y a inefficacité, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a inefficacité de nos économies, c'est sans doute parce qu'il n'y a pas un pouvoir qui oriente suffisamment l'énergie dans le bon sens. Vous avez parlé aussi du pouvoir du partage à l'intérieur. N'oubliez pas que l'entreprise n'est pas isolée et que la société civile est extraordinairement présente dans l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de patrons qui peuvent faire ce qu'ils veulent sans avoir à remplir des documents, à demander à une autorité agréée, à une autorité spéciale, à une autorité ceci, à une autorité cela. Il y a les partenaires sociaux. Bon, je vais m'arrêter là parce que je veux laisser la place aux autres, mais je veux dire aussi peut-être, n'évoquons pas le pouvoir sans évoquer la responsabilité. Je crois que M. Bastel a dit, mais partager le pouvoir, c'est une chose. Partager la responsabilité, c'est autre chose. Et si moi, je connais beaucoup de gens qui sont candidats pour partager le pouvoir, j'en connais très peu qui acceptent de partager la responsabilité, en particulier de nos jours, où, quoi qu'il arrive, la première chose qu'on cherche, c'est le responsable. Responsable en termes juridiques, responsable en termes humains. Et aujourd'hui, le PDG est responsable de tout. Je peux vous dire que moi, quand j'étais président de la société, j'étais à Niort, je recevais en permanence des contraventions que je devais payer de ma poche parce que dans une agence, on laissait systématiquement la poubelle dehors sur le trottoir dans le 13e arrondissement. Voilà la responsabilité. La responsabilité juridique est énorme des dirigeants d'entreprise. Et il n'y a pas que des gens qui veulent le partager. Nous avons eu, je ne sais pas si mon successeur a déjà eu le même problème, mais des gens qui refusent des promotions parce qu'ils nous disent « Attendez, on sait comment vous vivez, on n'a pas envie de partager vos responsabilités. » Philippe, vous avez déjà parlé de responsabilité, le syndrome du petit chef. Alors vous allez m'expliquer que chez vous, il n'y en a pas, mais tout de même, comment vous le traitez, et par rapport à ce que disait Isaac. Ce que décrivait Isaac tout à l'heure était probablement un modèle qui s'applique sûrement très, très bien à l'industrie et à la production classique. C'est vrai que le témoignage que je peux apporter ici est un témoignage d'une société de service qui compte de l'ordre de 80% de cadres et où, par définition, la notion de vision et de partage de projet est absolument essentielle si on veut effectivement que tout le monde saute à bord et que, pour reprendre l'expression des rameurs, que tout le monde rame dans le même sens. Sur la base d'une motivation. Alors, si effectivement j'abandonne cette approche par rapport à l'industrie que je connais moins et que je ne vais pas commenter ici, puisque le témoignage que je peux donner est celui, encore une fois, d'une société d'audit et de conseil international, c'est qu'on n'arrivera pas, si on parle de pouvoir et si on parle de partage de pouvoir, à faire avancer l'ensemble de la structure si effectivement l'information n'est pas échangée. Ça a été évoqué. Je crois qu'effectivement, nous, on a des réunions avec les associés et les collaborateurs qui sont extrêmement fréquentes. Et je dirais d'autant plus fréquentes que l'évolution du monde économique et de la crise nous conduit évidemment à échanger sur des événements qui sont quelquefois beaucoup plus difficiles que ceux qu'on évoquait il y a 5 ou 6 ans. Et que dans la responsabilité ou dans le partage, il y a celui des profits, évidemment, et des bénéfices et des moments faciles. Et il y a aussi celui des moments difficiles. Parce que si dans un moment difficile, on n'arrive pas à remettre tout le monde à bord sur le projet et sur la manière de réagir par rapport aux difficultés qui nous viennent de l'extérieur, et Dieu sait si en ce moment elles sont nombreuses,
on aura évidemment d'autant plus de mal à avoir une société ou une entreprise efficace et performante. D'où cette notion d'information qui est clé, de partage de l'information, puisque le thème tout de même de cette cité, cette année, c'est le partage. Alors on parle du partage du pouvoir, on parle du partage de l'information, et on parle aussi, c'est vrai, vous avez parfaitement raison de le souligner, du partage de la responsabilité. Car dans une société où il y a 750 associés, comme je le disais tout à l'heure, au plan international, il y a bien 750 associés responsables, qui sont responsables non seulement de ce qu'ils font tous les jours avec leurs propres clients, sur la qualité du service qu'ils délivrent, mais aussi responsables sur la perspective du cabinet, son développement, et par conséquent sur la réussite qu'il peut y avoir, et c'est une réussite collective. On introduit très souvent cette notion chez nous aujourd'hui d'équipe. Il n'y a pas un patron, il y a une équipe, il y a un directoire, ce qu'on appelle un conseil de gérance. C'est 6 personnes, un Américain, un Sud-Africain, un Anglais, un Espagnol et 2 Français. Ces 6 personnes ont été choisies par les associés pour conduire une politique qui leur a été présentée et qui a été partagée, qui a été approuvée. Et la mission de cette équipe de 6 personnes, elle n'est pas d'imposer telle et telle décision, elle est de mettre en œuvre un programme qui vise à réaliser le projet et la vision que l'on avait de ce que devait être Mazars en 2015 ou en 2020. Donc c'est ce premier niveau d'intelligence collective qui est mis en orbite, si je puis dire, pour conduire le bateau et pour tenir le volant. Mais évidemment, quand on est dans 70 pays et quand on a 13 000 personnes derrière, il y a tout un tas de relais. Et c'est là où intervient ce partage de la responsabilité et ce partage de la motivation qui fait que l'ensemble des rouages de l'entreprise, de service, encore une fois, se mettent en œuvre et mettent à tourner dans le même sens et au bon rythme. Donc en fait, cette notion de pouvoir et cette notion de partage, dans notre cas et dans l'expérience que j'en ai, depuis quand même plus de 35 ans chez Mazars et depuis plus de 10 ans à la direction de l'entreprise, je dirais que c'est véritablement la recherche du consensus. Alors ce mot peut apparaître un peu mou, un peu bizarre, un peu fourre-tout. Or en fait, si ce consensus, mais un consensus fort, avec un vrai leadership derrière d'une équipe pour le manager, si ce consensus n'est pas atteint dans une société de service et dans un partnership, je peux vous dire que le bateau va après à U et à Dia. Et toute la difficulté effectivement dans la conjoncture que l'on connaît, pour les métiers qui sont les nôtres en plus avec un environnement de la régulation, c'est-à-dire l'intervention des régulateurs, qui est extrêmement complexe avec des mouvements qui se présentent aujourd'hui dans la législation venant de l'Europe à Bruxelles et qu'il est très difficile de maîtriser. Vous ajoutez aux difficultés économiques cet environnement juridique et régulatoire qui est un peu mouvant. Eh bien, si vous n'avez pas effectivement un consensus sur l'orientation et tout le monde qui rame à bord, vous avez effectivement de grandes difficultés. D'où le besoin d'avoir ce consensus, mais pas un consensus mou, un consensus clair, partagé, avec les vraies informations sur la vision de ce que ça doit être et sur la façon de conduire le bateau. Isaac, à partir des exemples, des entreprises exemplaires que vous avez vues, je voudrais qu'on revienne simplement à la question de départ. Comment mieux organiser le partage des pouvoirs ? Dans ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être généralisées dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs ? Je précise que dans les entreprises, c'est 200 entreprises que j'étudie en tant qu'anthropologue, c'est-à-dire que ce n'est pas une approche avec une théorie quelconque que je viens. Je fais une immersion, comme si vous allez étudier des tribus, par exemple, d'Amazonie ou de Polynésie, et puis vous restez là-bas, et voilà, vous interviewez, vous observez des dirigeants, des anciens dirigeants, des salariés. Une partie sont des entreprises industrielles, d'autres, la majorité sont des entreprises de services, certains de high-tech, il y a même une entreprise agricole. Mais bien sûr, ça ne couvre pas l'ensemble des entreprises. Maintenant, je souhaite faire un petit bémol avant que je réponde à votre question. Je souhaite démystifier l'entreprise. Je suis très content que le mot d'entreprise ait apparu ici, parce que je pense que l'entreprise, c'est l'acteur pour moi central de la société. Et l'acteur qui a un rôle éthique et moral à jouer. Il y a 2 jours, j'ai participé dans les débats sur l'éthique, RSE, etc. Pour moi, c'est un détournement de ce qui est le vrai rôle éthique et moral d'entreprise. Et ce rôle, c'est devenir un créateur durable des richesses économiques et humaines. Et l'entreprise, c'est le seul lieu aujourd'hui, à mon avis, dans la société où cela peut se passer. Donc je suis très content qu'on parle d'entreprise. Maintenant, je veux démystifier de l'entreprise. La majorité écrasante ne le font pas.
ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je pose une question maintenant, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'entreprise, il y en a d'autres qui font des analyses statistiques, je ne sais pas si vous savez que le pourcentage d'entreprises qui, par exemple, à partir de leur création, survit 40 ans. Parce que les gens, ils ont une idée. Après 40 ans, c'est-à-dire l'entreprise n'a pas fait faillite ni se fait racheter par quelqu'un qui est bien plus fort. Je ne parle pas des ventes volontaires par start-up, etc., des pigeons, soi-disant. Non, vous n'avez pas une idée. C'est 1%. 1% seulement survit. C'est-à-dire, globalement, il y a un énorme gaspillage. L'entreprise n'est pas bonne, globalement. Elle ne survit pas. Il y a des déchets terribles, des coûts terribles, à la fois économiques et humains. Et on ne parle pas, pour l'instant, de créateurs durables de richesse. On parle simplement de survie. Et je parle d'entreprises comme Arcelor, Péchiné. Je ne parle pas des petites entreprises qui se sont fait manger. Si vous regardez les entreprises qui, par exemple, ont aligné 10 ans d'affilée, je ne parle pas des performances, hein, dans deux scies, on gagne de l'argent, on licencie, on gagne de l'argent, on perd de l'argent, vous voyez, mais d'affilée 10 ans. Comme certains clubs de football, genre Barcelone, Manchester United, ils jouent toujours dans les meilleurs de Champions League, vous voyez, et pas une année simplement. Bah, selon les critères financiers, hein, je vous parle, c'est entre 2% et 5%, hein, selon, je peux vous détailler si ça vous intéresse. Donc vous avez entre 2 et 5% d'entreprises simplement qui sont des créateurs de richesse et qui ont prouvé sur 10 ans, hein, si vous prenez sur 20 ans sur cet échantillon de plus de 7000 entreprises, on en a trouvé 4 comme ça. Donc c'est très rare et c'est très très difficile. Donc je me suis intéressé dans ces entreprises-là. Et certaines, je ne dis pas que ce que j'ai trouvé, hein, cette entreprise que j'appelle l'entreprise libérée, c'est la seule façon, parce que General Electric, par exemple, était aussi comme ça, une entreprise très pyramidale, avec un grand pouvoir qui est au sommet et très peu de pouvoir qui est en bas. Mais moi, je me suis intéressé aux entreprises que j'appelle l'entreprise libérée. Et la définition, c'est que la majorité des salariés ont la liberté et la responsabilité totale, parce que sans responsabilité et liberté, c'est une anarchie. Donc la liberté et la responsabilité totale pour entreprendre toute action que ces salariés eux-mêmes, non pas leur manager, ni les procédures, décident étant les meilleurs pour l'entreprise. Donc ça paraît une utopie, mais ces entreprises existent, certaines plus de 50 ans. Ils sont tous des leaders. Donc je me suis intéressé. Et ces gens-là ont tout le pouvoir pour promouvoir la vision d'entreprise que notre ami Philippe a évoquée. Bien sûr, c'est une des conditions. Maintenant, je termine et j'explique au-delà de la caricature, parce qu'on connaît tous la caricature de Charlie Chaplin, etc. Je vous démontre en une minute où vraiment le pouvoir n'est pas donné à des gens qui doivent l'avoir. Et ce sont deux situations très spécifiques. À ce moment-là, bon, on est samedi, les gens ne travaillent pas, la majorité, mais imaginez, on est dans la semaine. Hein, dans la semaine, à ce moment, pendant qu'on parle, des centaines de milliers de personnes frappent à la porte de leur chef ou manager et disent « Monsieur, j'ai un problème ». Les études montrent clairement ce qu'ils font la majorité des managers dans ces situations. Ils ont plus d'expérience, ils ont 10 ans d'expérience, le gars il a 5 mois d'expérience, etc. Il dit, écoute, on ne va pas perdre le temps, c'est clair, bah, tu n'as que faire ça, et à la fin de la journée, je passerai voir si ça marche. C'est une pratique a priori anodine, triviale, et c'est une pratique qui dépossède cette personne-là, dépossède, et de plus, elle démontre le manque de confiance, de considération et de respect à la chose qui est la chose la essentielle chez l'être humain, sa capacité de réfléchir et apporter des solutions. Et le deuxième, et je termine, qui dépossède des gens de pouvoir, c'est, donc première, c'est le chef qui donne des solutions, et le deuxième, c'est les procédures. C'est-à-dire, tu n'as que sur la procédure, tu n'as que appliquer la procédure. Donc la personne qui au début est recrutée, parce que ces 11% que je vous ai dit n'étaient pas du tout 11%, les gens qui sont recrutés, ils ont envie d'agir, ils ont envie d'avancer, ils croient qu'ils pourront, mais quand ils entendent ça une, deux, trois fois, ben, à un moment donné, ils baissent les bras, quoi. Dites-moi ce que je dois faire, et puis je vais le faire, quoi.
Donc il y a ce potentiel qui est miné non pas par des petits chefs autoritaires. Je n'ai pas étudié des entreprises comme ça. J'ai étudié des entreprises qui sont considérées très, très avancées en termes de empowerment, d'autonomie, etc. Mais ces pratiques-là, qui sont des pratiques implicites, reconduites d'une génération à l'autre, etc., fait que les gens, surtout des générations Y, etc., etc., qui viennent avec plein de volonté d'agir, de prendre ce pouvoir-là d'action, ben, finalement, à un moment donné, ils apprennent que ben, ce n'est pas possible. Quoi. Voilà. Donc, c'est mon commentaire à ce que moi, j'observe concrètement. Et j'ai vu les entreprises qui ont décidé, stop. Stop. La performance en dents de scie, chaque fois qu'une crise, on ne sait pas si on va suivre, etc., on ne veut plus. On ne veut créer une entreprise qui sera résiliente, qui va faire de l'innovation et qui va faire de création de richesse et tout ça de façon durable. J'ai étudié ces entreprises. Avant de prendre les... Si vous me permettez, je voudrais quand même réagir. Je vais vous donner la parole. En fait, quand il y a un dominant, il y a un dominé. Et il faut toujours examiner le couple. Hein, parce que ce n'est pas toujours inconfortable d'être dominé. Et moi, je me souviens d'une entreprise, quand je suis arrivé un jour à la tête, où couramment, il y a des gens qui venaient me voir en me disant, comme vous l'avez dit à l'instant, j'ai un problème. Alors j'ai dit, vous dites, qui est-ce qui a les données du problème? Ah ben, je les ai toutes. Bon, écoutons. J'écoutais, je dis, vous avez vraiment toutes les données du problème? Oui. Et ben alors, qui est le mieux placé pour décider, vous ou moi? C'est vous qui avez les données. C'est vous qui pouvez apprécier la qualité de vos sources et c'est à moi que vous demandez une décision. Eh bien, prenez la décision. Prenez la responsabilité. Ce n'est pas si facile que ça et ce n'est pas parce qu'on dit, tiens, à partir de demain, on change le fonctionnement de l'entreprise. Changer le fonctionnement des hommes, c'est un sacré sport. On n'y arrive que tout doucement, tout doucement, tout doucement, notamment par l'exemple. Je voudrais aussi amorcer une autre considération. La conjoncture compte beaucoup. Que faisaient les Romains quand ils étaient assiégés? Bon, ils avaient déjà réfléchi au management, on n'a pas inventé ça. À partir du moment où on a créé des écoles de management, eh bien, ils nommaient un dictateur. Parce que, si vous voulez, il y a des périodes favorables à la palabre et il y a des périodes où la décision doit être réellement rapide et mise en œuvre. Et puis, le pouvoir, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement décider? C'est décider, d'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi commander? D'accord. Est-ce que c'est pas aussi informer? D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi contrôler? Est-ce que ce n'est pas aussi gérer les ressources humaines? Oui, ce n'est pas une notion théorique. Et en réalité, dans l'entreprise, ces différentes dimensions du management, qui sont bien sûr en permanence mêlées, sont également en permanence réparties et exercées par des gens différents. Il y a des gens qui sont d'excellents stratèges, des opérationnels assez nuls, d'excellents techniciens qui ne savent pas gérer leur équipe. Ça existe. Mais quand vous avez un ingénieur génial et qui n'est pas foutu de communiquer avec ses collaborateurs, ce n'est pas en le convoquant que vous allez le faire changer de culture et de comportement. Hein. Les entreprises, on ne peut pas mettre un divan de psychiatre auprès de chaque collaborateur. Hein. Ce n'est pas possible. Philippe. Juste une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. J'imagine que Mazars est une entreprise particulièrement dynamique et brillante parce que, franchement, je ne reconnais pas grand-chose dans ce qui vient d'être décrit, du moins dans ce que l'on vit. Alors j'espère qu'effectivement, personne n'a jamais affublé mon prédécesseur ou moi-même de titre de dictateur et qu'on n'en aura jamais besoin, même en période de crise. Mais ceci dit, je crois que les jeunes générations, et c'est vrai qu'on a une moyenne d'âge de 30 à 35 ans selon les pays, donc on est quand même des équipes très jeunes, et on embauche énormément de jeunes tous les ans. Près de 3000 dans le monde au global sur les 13 000, donc ça tourne. Et dans ces entreprises qui sont jeunes, avec des gens qui sortent des universités ou des écoles, ce discours doit leur paraître assez rébarbatif. Enfin, j'imagine qu'ils ne reconnaissent pas ou qu'ils n'ont pas envie d'aller vers des entreprises qui ressemblent à ce qu'on vient de décrire. Parce que quelque part, ils veulent apprendre et ils veulent comprendre ce qu'ils font de plus en plus. Ils veulent y participer, ils ont de l'ambition. Et par conséquent, je pense qu'il faut effectivement leur donner et faire tout ce qu'il faut pour faire cette transmission du savoir, et qui leur permettra, eux aussi, d'accéder au pouvoir, et de façon ordonnée, lisible, et c'est ça qui crée la motivation chez tous ces collaborateurs, qui deviennent des associés au fur et à mesure de la vie et de l'évolution du projet. Donc moi, je suis
très honnêtement beaucoup plus optimiste dans la description de l'entreprise, de la vie de l'entreprise que ce que je viens d'entendre, même en période de crise, et même si effectivement, de temps en temps, quand ça va vraiment très mal, il faut aussi savoir donner avec l'autorité qui va bien, mais là c'est une question d'expression de leadership, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, lorsqu'une équipe est élue dans les moments difficiles, bien évidemment, il n'y a pas que des bonnes nouvelles à faire passer, et c'est là où effectivement, dans le consensus partagé, sur un projet clair, on arrive à faire passer les messages et quelquefois les efforts qu'il faut faire à tout le monde. Isaac, est-ce que la génération Y réagit différemment? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, constaté? Je pense que ce sont tout d'abord des êtres humains. Donc il faut se mettre d'accord. Je pense qu'on est assez facilement d'accord là-dessus. Et je pense qu'on arrive régulièrement de sortir une partie et les décrire comme étant complètement différents de ce que sont les autres. Je pense qu'ils ont, génération Y, les jeunes, ils ont peut-être 98% des choses ou 19% qu'ils partagent avec tout le reste des salariés, et peut-être il y a une petite différence. Et j'ai des étudiants, des gens dont vous parlez, et chez nous, en tout cas dans mon école, beaucoup ils font cette année de césure, ils font des stages, et ils reviennent. Et j'enseigne ce que je vous dis, je n'ai pas seulement fait ça sur la tribune pour susciter des applaudissements éventuellement, mais j'enseigne ça. Et les étudiants viennent me voir et ils me disent, Monsieur Goetz, mais ce que vous nous enseignez, ce que vous nous racontez, c'est terrible. J'étais d'abord surpris la première fois qu'on m'a dit, mais pourquoi ? Elle dit, c'est très bien, les exemples d'entreprises que vous décrivez, ceux qui sont transformés, ceux qui ont mis entre 3 à 10 ans de transformer leur mode de fonctionnement pour devenir ces entreprises libérées. Mais nous, on ne va pas travailler dans ces entreprises-là. Nous, on va travailler dans les entreprises qui refusent de se transformer. On y était déjà. On s'est ennuyé déjà. On était déjà désimpliqués. On a vu déjà en quelques mois comment ça se passe. Je n'ai pas de réponse pour eux. Je discute un petit peu, c'est-à-dire la question que je pose généralement, c'est qu'est-ce que vous passionne, etc., pourquoi vous êtes intéressé. Et puis il y en a des choix, il y en a certains, il se trouve. C'est que la formation, l'option actuellement dans notre école qui est la plus demandée, c'est l'option entrepreneuriat. C'est un signe de temps quand même. C'était une option finance très longtemps. Entrepreneuriat. Et ce n'est pas qu'ils vont tous créer des entreprises, parce qu'ils savent que c'est très difficile après avoir étudié, etc. Mais quelque part, et peut-être ça montre aussi où eux, ils mettent leurs espoirs par rapport aux entreprises existantes. Voilà, maintenant pour dire juste le point clé de transformation des entreprises, comme je répète encore une fois ce que j'ai étudié, des petites, ils ont besoin à peu près 3 ans, parce que la chose la plus dure à changer dans le monde, c'est la nature humaine. Et notamment de celui qui est habitué de dire ce qu'il faut faire, le sachant, et qui concevait sa fonction donc de manager comme celui finalement qui sait plus et a l'autorité, le pouvoir de dire à des gens, et finalement de s'abstenir de le faire et devenir de ce qu'on appelle dans le jargon un petit peu un leader, c'est-à-dire considérer l'équipe plutôt, arrêter de considérer l'équipe étant à son service, ses objectifs, son bonus, etc., et être au service de l'équipe. Et cette transformation-là, la condition, parce qu'il y a une question que les étudiants ont posée à la condition de transformation, la première, la plus importante, c'est l'abandon de l'ego par le numéro 1. Et c'est une chose extrêmement difficile de faire. Et si lui, il ne le fait pas, ce sera de la frustration totale, la parole comme ça. Voilà, donc des entreprises que j'ai étudiées, par exemple Harley Davidson, c'est quand même 10 000 salariés, entreprise mondialement connue. Je rencontrais, passé plusieurs journées en compagnie de ce monsieur qui est à la retraite aujourd'hui et qui a entamé ça avec les syndicats, donc le CGT, c'est les enfants de cœur par rapport à les syndicats qu'ils ont là-bas, qui se mettaient en grève. Et en plus, les armes sont en vente libre là-bas. Donc, vous n'avez pas l'intérêt d'amener des pièces de rechange avec des hélicoptères, etc., parce qu'on va tirer. Donc, c'est... Voilà. Et lui, il a fait ça avec les syndicats. Il a commencé parce que Philippe a évoqué. D'abord, pour qu'on se sente... On a un sentiment qu'on est dans le même bateau. D'abord, c'est qu'on doit élaborer la vision
qui ont partagé. Et donc, ils ont mis 2 ans seulement pour se mettre d'accord, répondre à la question, pourquoi ils se lèvent le matin et viennent travailler ici. Et après, il y a encore 8 ans avant que finalement, quand j'étais dans le bureau du PDG, d'ailleurs le bureau qui n'a pas de porte, parce que quand on dit nous on a open doors policy, vous connaissez ça, oui, les portes ouvertes, ils ont dit attendez, c'est ouvert, c'est fermé. Non, c'est ouvert, donc on enlève les portes, donc vous enlevez toutes les portes. Il y a des portes dans les toilettes et dans le bureau de DRH. Il dit ça semble parfois pas très bon. Donc pour cette raison... Non, vous rigolez, mais il y en a un ou deux DRH qui m'ont dit dans ces entreprises-là, c'est que malheureusement, souvent, notre travail, c'est changer les couches aux adultes. Parce que des gens partagent, ils viennent partager des choses, effectivement, qui sont très difficiles, etc., et des conflits, des problèmes, etc., vous imaginez. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, je suis assis avec ce PDG, les portes sont ouvertes, il y a un monsieur qui est habillé en bleu, il marche dans le couloir. Et il me regarde et dit, je connais pourquoi il est là. Donc, un ouvrier, un opérateur, il dit, pourquoi il a demandé un rendez-vous au chairman donc de ce groupe. Donc, le monsieur, lui, il est CEO, hein, PDG, c'est un chairman. Et il dit, je n'étais pas assez bon pour lui. Il me dit, mais bon, je ne prends pas ça personnellement. Il dit. Chez eux, si n'importe quelle personne, n'importe quel opérateur a besoin de voir n'importe quelle personne pour le sujet que lui décide est important, dans 24 heures, il a un rendez-vous de cette entreprise. Alan Davidson, effectivement, un cas passionnant. Messieurs, vous aurez peut-être l'occasion de répondre sur l'ego, mais je voudrais prendre question des intervenants, puis question de la salle. Il y a d'abord deux intervenants qui ont préparé les questions, ensuite question de la salle. Est-ce qu'on peut apporter un micro ? Vous vous présentez, vous êtes bref, merci. Bonjour, Clément Garnier. Je vais poser la question à M. Castagnac. Quel problème votre entreprise rencontre dans la recherche de ce consensus, ou de ces consensus au pluriel ? Merci. Philippe ? Ben, des problèmes, j'espère qu'elle ne rencontre pas, puisqu'on s'explique. Et la manière d'y arriver, encore une fois, c'est clairement d'avoir un projet, de le décrire, de l'écrire, de le lire, d'échanger sur l'ensemble de ces projets, et puis après, de mettre en œuvre. Donc en fait, ce consensus, on l'obtient à la fois par la circulation de l'information, enfin la diffusion de l'information qui permet de comprendre et d'adhérer ou de critiquer, et d'amodier à ce moment-là, tous ensemble, ce projet, parce que quand qui dit consensus, dit dialogue. Il ne s'agit pas effectivement de jeter en avant un projet tout terminé, tout rédigé. On construit, on co-construit notre avenir ensemble, c'est le sens d'un partenariat, c'est le sens essentiel d'un partnership, c'est de le co-construire sur le long terme ensemble et de le pérenniser. Donc en fait, ce consensus, on l'obtient à partir du moment où effectivement on a réussi à convaincre sur la direction et sur la manière de conduire le projet. Donc à partir de là, je pense qu'effectivement, encore une fois, dans la notion de partage que l'on évoque depuis ce matin, dans les différents ateliers, il y a le partage du projet. Il y a le partage de la participation au projet, c'est-à-dire de définir son rôle et de motiver dans chacune des responsabilités les personnes qui, à leur niveau, co-construisent ou participent à la co-construction de ce projet. Donc le consensus, il est là. Et puis après, il y a évidemment des restitutions par étapes sur les points d'avancement et de réalisation de ce qui a été fait pour démontrer que non seulement, effectivement, on fait ce que l'on avait dit qu'on ferait, mais qu'en plus, on redécrit ce que l'on fera demain avec le quart de poil de modification qui est nécessaire en fonction de la conjoncture ou des événements qui conduisent à modifier le projet. Donc le consensus, c'est ça. C'est effectivement le partage et c'est du projet et de la manière de le conduire et de le faire ensemble. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise un partnership. Monsieur ? Oui ? Bonjour à tous, je suis Arthur Ledreff, je viens du lycée de Provence de Marseille. J'ai une question qui s'adresse donc à vous tous. C'est le partage du pouvoir suscite spontanément l'idée d'un pouvoir qui s'exercerait démocratiquement et donc avec un consensus collectif, comme vous l'avez dit tout à l'heure. D'après vous, est-ce que partager le pouvoir, est-ce renoncer à la responsabilité du dirigeant de l'entreprise déjà limitée par le pouvoir de l'actionnaire ? Jean-Claude, commencez. Oui, c'est presque l'ensemble du débat. Hein. Tout d'abord... Et j'en profite pour répondre un peu au problème de l'ego. On a mentionné l'ego du chef d'entreprise, mais attendez, tous les gens qui travaillent dans l'entreprise ont des égos. Les chefs de service, ils ont des égos. Les directeurs, ils ont des égos. Donc ça, c'est une chose.
Deuxièmement, consensus et démocratie, ça ne veut pas dire la même chose. On ne peut pas voter. On ne peut pas voter. Hein ? On imagine mal qu'une décision technique soit prise sur la base d'un vote, puisque dans le groupe de travail, chacun va avoir une partie du puzzle de l'information qui va amener à la décision. Hein ? Si c'est pas facile comme chef d'entreprise de pouvoir équilibrer l'ensemble des connaissances, parce qu'il faut quand même essayer de trancher à peu près en connaissance de cause. Mais quand vous n'êtes pas encore chef d'entreprise, c'est encore pire. Si vous êtes technicien, et moi j'avais fait avec une association quand j'étais jeune, une étude sur la rentabilité des entreprises, il apparaissait par exemple que les entreprises qui échouaient étaient celles qui étaient dirigées par une technique. La finance, le marketing, la technique, la production en usine. Quand il n'y a qu'une seule, un seul son, une seule voix qui se fait entendre, l'entreprise va au tapis. Et pourtant, chacun des collaborateurs de l'entreprise est porteur d'une de ces voix. Et c'est au chef, alors au chef de l'unité, de l'usine, au chef de l'entreprise, éventuellement, de faire l'équilibre entre la multitude de forces qu'il doit combiner. Force de l'extérieur, force de l'intérieur. J'ai mentionné l'environnement administratif et réglementaire qui est épouvantable. Une partie de la lourdeur que le professeur Goetz signale est quand même plaquée sur les entreprises. Et si la France, par exemple, et les pays développés ont un taux de progression du PIB d'1% par an, alors que d'autres pays ont un taux nettement supérieur, c'est notamment parce que les entreprises sont en train de devenir des administrations, non pas proprio motu, mais parce que l'on impose des... on estime que le bien de l'entreprise, c'est de remplir des papiers. Voilà. Alors, on remplit des tonnes de papiers, et maintenant qu'il y a l'informatique, ben, on a multiplié par N le nombre d'imprimés. Bon. Tout ça pour dire que le consensus, ce n'est pas nécessairement démocratique au sens d'un vote. Hein. Et je profite aussi de l'occasion pour répondre sur la génération Y. Moi, je partage largement l'avis du professeur Goetz, à ceci près que les jeunes, et lorsqu'ils sont formés a fortiori, et dans des disciplines que ne connaissent pas leurs aînés, eh bien, ils veulent quand même qu'on leur explique. Je crois que le mot essentiel à prononcer, parce que j'ai parlé de petit chef ou de tyran tout à l'heure, c'est celui de respect. Le respect n'implique pas l'absence de pouvoir ou l'absence d'autorité. Le respect, c'est de dire, bon, il y a quelque chose à faire, voilà, mais il faudrait le faire pour telle raison, et quel est ton avis sur la question ? Peut-être que ton avis, parce que tu as des informations que moi je n'ai pas compte tenu de ta situation d'entreprise, il va me paraître bon et on va le suivre. Peut-être qu'il ne va pas me paraître déterminant et il va falloir que tu fasses ce que je te dis. Mais tu vas le faire pour telle et telle et telle raison. Et ça, ils acceptent très bien. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est l'autoritarisme. Tu dis, tu fais ça et tu fermes ta gueule parce que c'est moi qui ai les barrettes. Et par contre, je suis le baron et j'ai les barrettes. Et donc, voilà, ça c'est de l'autoritarisme, ça c'est dépassé. Et c'est en particulier dépassé pour les jeunes générations de gens formés, habitude de discuter avec d'autres, et ici dans cette enceinte de la Sorbonne, c'est particulièrement significatif, on tape sur le dos du président parce qu'on se sent d'égal à égal. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Hein. Moi, je pense de temps en temps exercer mon pouvoir, tout en étant très très copain avec les uns ou les autres, y compris des jeunes. Philippe, sur cette question de la démocratie. Sur la démocratie, moi, quand je me suis exprimé sur la manière dont fonctionnait un partnership qui, effectivement, est élu, parce que chez nous, effectivement, c'est une élection qui conduit, qui permet de choisir les dirigeants. Ça se passe tous les 3 ou 4 ans. Et par conséquent, donc, ce consensus et cette démocratie, on le vit tous les jours et on a l'impression, effectivement, que notre modèle est organisé véritablement sur cette base. Et il le faut, puisqu'effectivement, les efforts qui sont à consentir par les uns et les autres sont très importants. Donc, sur la déresponsabilisation, en revanche, qui serait liée au transfert du pouvoir dû au consensus, là je ne le crois pas du tout, au contraire. Le chef d'entreprise, il est d'autant plus responsable, même s'il a obtenu ce consensus, qu'il a justement le devoir à ce moment-là de mener à bien le projet sur la base de l'accord et du consensus qu'il a obtenu. Donc il n'y a aucune forme de déresponsabilisation, me semble-t-il, à gérer dans le consensus une entreprise. Question de la salle. Donc, monsieur, ensuite on montera par là-bas. On reviendra après. Oui. Sarfati, industriel en retraite. Alors, j'aimerais être provocateur, en particulier à l'égard de M. Isaac Goetz. Vous parlez d'entreprises archaïques en voie de disparition. Enfin, de révolution industrielle.
Ce sont des méthodes qui sont largement dépassées. Nous vivons une mutation sans précédent dans l'histoire de l'industrie et dans l'histoire des relations sociales. Sans précédent. Nous avons plus de 2 milliards de nouveaux travailleurs en moins de 20 ans. Donc j'aimerais dire ceci. Le pouvoir ne se partage pas. Le pouvoir, ça se respecte, ça se donne, parce que chaque individu a son talent et a son pouvoir. Donc il faut justement dans l'entreprise polliniser les pouvoirs, respecter les pouvoirs. Et il y en a un qui l'a dit avant moi, c'est Montesquieu, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et il y en a un autre qui l'a dit avant, c'est Bacon, le savoir, c'est le pouvoir. Donc quand je veux dire le savoir, c'est le pouvoir, c'est qu'il faut favoriser la formation, favoriser le savoir et respecter cette formation et ce savoir de chacun. Parce que chacun, et tout le monde le sait, est la cheville ouvrière d'une entreprise. Donc si l'entreprise de demain, d'aujourd'hui, ne respecte pas ses pouvoirs, elle est perdante, tout simplement. J'aimerais simplement savoir ce que Isaac et chacun de vous puisse penser de cette affirmation. Isaac, donc. Je vais juste dire un mot sur, avant de répondre à commenter, parce que c'est une affirmation, un commentaire très intéressant. Par rapport à la démocratie, souvent les entreprises que j'étudie ou ce modèle, cette approche de l'entreprise libérée, on me dit, mais ça c'est une entreprise démocratique. J'ai un certain nombre des gens qui animent justement les mouvements, les associations, ils appellent cette entreprise démocratique. Donc si c'est utilisé en termes de métaphore, oui, mais de manière littérale, bien sûr, non. Et je vois qu'à la fin de ce débat-là, on va avoir beaucoup de points communs avec Jean-Claude Cesse, malgré l'apparence. Et je vous dire aussi, je vais avertir le public qu'on n'entrera jamais dans aucun conflit. On a une différence d'opinion parfois parce qu'on se respecte mutuellement. Et la grande raison des conflits dans les entreprises, c'est le manque de respect entre les gens, et les différentes opinions se transforment très rapidement en conflit parce que je n'ai pas informé un tel, parce que j'ai agi de mon côté, etc. Donc il n'y en a aucun risque. Voilà. Maintenant, sur le côté juste démocratique, il y en a des éléments que j'observe. Hein. Par exemple, dans beaucoup de ces entreprises-là, les managers, les leaders ne sont pas nommés, ils sont cooptés. C'est l'équipe qui décide. Il y a quelqu'un qui émerge de son équipe. Mais on ne fait pas des votes, parce que le vote, ça devient un truc de popularité. Donc, concours de popularité. Donc, si vous voulez, l'idée, même dans nos sociétés, là, la démocratie, c'est un outil, hein, c'est pas la finalité. La finalité, c'est la liberté. Hein. Il y en avait un pays comme Hong Kong qui n'était pas un pays démocratique du point de vue du régime, mais le degré de liberté des citoyens était extrêmement élevé pendant que c'était une colonie. Donc, bon, cet outil-là, il a des très, très peu d'utilisation dans le monde de l'entreprise. En revanche, les gens, ils ont une liberté et ils ont beaucoup de respect et considération, en tout cas dans l'entreprise que j'ai étudiée. Maintenant, par rapport à ce qu'a dit notre intervenant tout à l'heure, je ne sais pas. Ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, vous avez le pouvoir qui est pouvoir statutaire. Hein, quand vous êtes nommé PDG, hein, ou vous êtes président, ça dépend des statuts de société, vous avez ce pouvoir-là. Il est très, très important. Voilà. Maintenant, question, qu'est-ce que vous faites avec et je reviens encore une fois à ce bon sens-là, qui est un bon sens économique, hein, ce n'est même pas de la sagesse, hein, que la valeur économique est créée par les gens sur le terrain. C'est ceux qui transforment des matières, c'est ceux qui rendent des services, c'est ceux qui vendent. C'est eux seuls qui créent la valeur, cette valeur ajoutée. Hein. Le reste, ce qu'on appelle le management, cette couche, c'est un coût pour l'entreprise. Il ne crée rien. C'est un coût. C'est de l'économie, ce que je vous parle. N'importe quel professeur de l'économie va vous dire ça. Donc, la question, qu'est-ce que vous faites quand vous avez ce pouvoir-là? Ben, organiser l'entreprise dans laquelle les gens qui sont dans différentes fonctions de support, ils fournissent le support à des gens qui peuvent vraiment créer de la valeur économique pour qu'ils puissent créer la plus grande valeur économique possible, chacun à leur niveau. Donc, ce n'est pas par hasard, et je termine là-dessus, qu'un certain nombre de dossiers qui sont sortis, si vous voulez, sur cette approche-là que j'ai décrit dans mon livre, il s'appelle, l'usine nouvelle a publié 8 pages, ça s'appelle Alter Management. La semaine dernière, Sophie Peters a publié un dossier dans la tribune Hebdo, Anti-Management, etc. C'est-à-dire la perception que le management aujourd'hui,
Alors, ce n'est pas une vue d'esprit, hein. Ça se parle maintenant comme les journalistes qui couvrent ça chaque semaine, etc. C'est aussi mon expérience que le management n'est pas encore à son aggiornamento, c'est-à-dire être au service des équipes, plutôt qu'implicitement considérer que les équipes sont à ce service de leur reporting, leurs chiffres, leurs résultats, etc. Ça, c'est ce que j'observe. Et n'oubliez pas encore une fois, les chiffres de 11% d'implication, c'est de 2011. Hein. Malgré tous les changements et tous les têtes, on est là et c'est chaque 6 mois, c'est le même chiffre qui tombe. Quoi. Et ça ne bouge pas. Question là-haut. Madame. Bonjour, merci de me laisser la parole. J'ai une question. En fait, on a commencé par parler de l'actionnaire, donc je me disais, on va parler RSE en fait. C'est-à-dire que je pensais qu'on allait parler aussi du dialogue avec les parties prenantes. Alors après, on a parlé du régulateur, c'est une partie prenante. On a parlé des rameurs, alors je ne les appelle pas comme ça, mais ok, c'est une partie prenante importante. Donc j'ai un peu l'impression qu'on allait aussi évoquer le dialogue avec les parties prenantes. Et donc je pose la question plutôt à Isaac Goetz, parce que c'est le seul qui a parlé de RSE. Donc j'aimerais savoir si dans votre tour des entreprises, est-ce que vous avez évoqué la création de valeur par d'autres parties prenantes ? Est-ce que vous avez regardé cette dimension-là ? Merci. Alors, RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, qui définit l'entreprise comme étant un ensemble de parties prenantes. Parties prenantes, il y a la direction, il y a les actionnaires, il y a les salariés, on en a parlé, on n'a pas parlé de toutes les parties prenantes, mais on a parlé de cela. Mais il y a aussi effectivement les collectivités, les fournisseurs, les clients, et donc vous, c'est de ces parties prenantes-là que nous n'avons pas parlé. Isaac, la parole est à vous. Je pense que chacun de nous a des mots à dire, et voilà, c'est par hasard que j'ai évoqué ça, parce que j'ai participé dans ce table ronde. Je pense que en tout cas, ce que j'ai vu, ce que j'ai étudié, effectivement, que quand je parle de l'entreprise qui est créateur durable de recherche, c'est pour toutes les parties prenantes, évidemment. À commencer, le numéro un, ce sont des salariés dans l'entreprise. C'est une évidence. Vous savez peut-être, vous avez entendu parler, il y a ce fameux Indien qui a écrit un livre, Employees First, Customers Second. Donc, on souvent compare de ce qu'il a décrit dans l'entreprise que moi j'ai décrit. Vous ne pouvez pas, par exemple, être une entreprise de service et rendre un bon service si vos salariés ne sont pas heureux quelque part, ils ne sont pas impliqués dans ce qu'ils font. Donc, d'abord, il faut créer un environnement pour que l'ensemble de salariés ait là ce que moi j'appelle leurs besoins fondamentaux, que les psychologues les connaissent. C'est bien au-delà de Maslow. Je sais qu'il y a beaucoup pensé à Maslow, c'est 1943, hein, Maslow. Et c'est une théorie qui n'était jamais empiriquement prouvée. Mais il y en a des besoins fondamentaux, ce qu'on appelle des besoins élevés. Je vous renvoie encore une fois à mon livre. Qui sont très prouvés dans beaucoup de sociétés, ils sont universels. Hein, et notamment le respect, c'est un des premiers, hein, c'est-à-dire le respect, considération, confiance, c'est le premier de trois besoins. Si l'entreprise est construite où il n'y en a aucun signe, aucun symbole, aucune pratique qui fait le contraire, c'est déjà le premier pas. Très, très, très difficile quand vous travaillez dans une entreprise que moi j'appelle la bureaucratie hiérarchique, où il y a en permanence des gens qui vous disent qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est le rôle, hein, qui vous contrôle. Il y a partout des procédures, des panoplies des procédures. Très difficile de se sentir respecté pour sa capacité de réfléchir, par son intelligence, par sa capacité de trouver des solutions à des problèmes dans l'entreprise comme ça. Très difficile. Donc il faut réformer ça. Vous imaginez le travail, hein, qu'il y a derrière. Donc, voilà un petit peu la réponse, mais par derrière toutes ces entreprises-là, ils aussi extrapolent concrètement, pour répondre à votre question, madame, cette notion de respect pour salariés, il est aussi pour les clients, il est aussi pour les fournisseurs, il est aussi pour l'environnement, il est aussi pour la communauté qui vit autour. Dans ces entreprises-là, par exemple, jamais on va squeezer un fournisseur, jamais. Jamais on va faire de fournisseur, hein, quelqu'un qui est un simple prestataire à qui on va essayer d'obtenir le prix minimal sans prendre en considération effectivement son propre succès et qu'on va le balancer comme étant, je ne sais pas, quelque chose qu'on n'utilise plus, une vieille voiture pour remplacer pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est des vrais partenariats qui se créent avec l'ensemble des parties prenantes, en tout cas dans ces entreprises que j'ai étudiées. Jean-Claude ? Oui, merci.
Oui, je voudrais revenir sur le respect. Je vais vous raconter une histoire. Enfin, le professeur Gates doit la connaître. Et, dans les années 42, il a évoqué 43, j'ai évoqué 42, aux États-Unis, il y a l'expérience de Hawthorne où on a souhaité s'interroger pour savoir comment augmenter la productivité de certaines usines. Alors, il y a des consultants qui sont arrivés et ils ont dit, on va changer l'éclairage. On va mettre meilleur éclairage. La productivité a augmenté. Après ça, ils ont dit, je vais le faire courte, on va changer la couleur de l'atelier. La productivité a augmenté. Et c'était facile à comparer parce qu'il y avait toujours les ateliers témoins qui continuaient comme avant. Bon, un certain nombre d'expériences, et à chaque fois, la productivité a augmenté. Et donc, ils étaient sur le point de rédiger leur rapport pour dire il faut améliorer l'électricité, il faut améliorer l'éclairage, il faut changer les couleurs, etc. Et puis, il y en a un qui a une idée curieuse, qui a dit, et si on revenait à la situation antérieure? Ils sont revenus à la situation antérieure, la productivité a augmenté. Donc, la conclusion, ce n'était pas la couleur ou l'électricité qui comptait, c'était le sentiment qu'on s'intéressait aux gens. Ça, c'est très important. C'est ça la base. C'est ça la base. Merci de cette belle histoire. On va redescendre. Deuxièmement, je voudrais ajouter quelque chose parce que vous savez, Jean-Marc évoquait les mutuelles et les coopératives. J'arrive de Québec où c'était l'année mondiale de la coopération et de la mutualité, avec une certaine confusion parfois entre la mutualité de la coopération de consommateurs, les stockholders, coopération des ouvriers, c'est les SCOP en France, Société de coopérative ouvrière. Donc, oui, mais aucune de ces entités, il y en a sur le plan juridique, ça existe, mais ça ne se pratique pas, ne réunit l'ensemble des stockholders. C'est soit les consommateurs, soit les fournisseurs, soit les salariés. Deuxièmement, quelle est la plus belle société, la plus grosse société coopérative ouvrière au monde? C'est une société relativement récente, beaucoup la connaissent, c'est Mondragon, société basque, qui doit avoir 80 000 salariés. Tout le monde n'est pas membre de la coopération. Et comme il faut quand même décider, même dans un univers démocratique, quand ils ont racheté Braun en France, ils ont dit aux salariés de Braun, est-ce que vous voulez être coopérateur avec tout, etc. Les syndicats ont dit, ouais, vous êtes des patrons, vous êtes des patrons. Et bien ils ont dit, ok. Et ils les ont traités comme des ouvriers, c'est-à-dire rachetés par une société internationale, et ils ont foutu à la porte. Donc, avoir de bonnes idées, c'est une chose. Il n'y a pas d'exemple de mutualisme universel. Et dans les exemples qui ont réussi, et Mondragon est géré d'une manière démocratique, ça n'empêche pas qu'il y ait un pouvoir, et un pouvoir musclé. Je voulais juste vous donner un autre exemple qui est une suggestion qu'a fait un jeune chercheur qui s'appelle Sébastien Groyer dans un livre qui est paru il y a 2 ans. Sébastien Groyer est un philosophe de formation et il travaille aussi dans un fonds d'investissement, donc esprit assez ouvert. Et il proposait que dans les conseils d'administration des entreprises, il y ait un tiers d'actionnaires, un tiers de salariés et un tiers de clients pour réorganiser complètement les pouvoirs. Juste pour... question au fond de la salle, madame. Merci, bonjour, Ella Barbora. J'aimerais m'adresser à monsieur Philippe Castagnac. J'ai bien aimé l'image du paquebot, où on parle de ces 750 associés qui sont responsabilisés et motivés par un projet d'entreprise commun. Mais finalement, quand il s'agit de ramer, on se rappelle qu'il y a 12 250 personnes qui font partie de l'entreprise. Et ma question est quand même plus concrète, étant moi-même consultante, et je connais très bien le monde des cabinets de conseil et d'audit, donc des cabinets de services. Le fait de mettre en place un système d'évaluation uniquement descendant ne prouve-t-il pas que justement les pouvoirs sont loin d'être partagés et sont limités à ces personnes qui ont le droit d'évaluer et de noter leurs collaborateurs? Merci. Merci d'avoir apporté un mot important qui effectivement n'avait pas été prononcé jusqu'à présent, qui est le mot évaluer. Philippe. Alors, je voudrais juste répondre à cette question que s'il y a les 12 250 qui rament, c'est en fait aussi parce que les 750 rament de leur côté. Donc en fait, ce sont bien les 13 000 qui rament, d'accord?
Et c'est très important qu'effectivement tout le monde soit à bord de ce bateau dans la même direction. Alors l'évaluation, en fait, elle est effectivement dans un sens qui est celui de l'expérience et de la, du test en fait, de la productivité et de la réalisation en fait, de ce qui est fait par, par chacun. Je ne suis pas absolument certain, notamment dans les évolutions qui sont en cours actuellement, je ne parle pas que de chez nous, je parle en général, hein, et notamment de ce qui ressort de ce que la génération Y exprime, par rapport effectivement à ce besoin de participer, ce besoin d'apprendre, ce besoin de faire savoir la manière dont eux-mêmes conçoivent l'entreprise et conçoivent leur rôle. Et là, on voit apparaître véritablement des ascenseurs dans l'information qui montent et qui descendent dans les deux sens et qui probablement tendront mieux vers cette recherche d'équilibre. Parce que ça, c'est un mot qui n'a pas encore été prononcé depuis le début du débat et qui, quelque part, dans le partage des pouvoirs, fait aussi marque la recherche d'un équilibre, quelque part. Et l'équilibre, en fait, dans la vie et dans l'organisation professionnelle, comme dans la vie privée, est une dominante de plus en plus importante qui nous remonte, ce qui veut bien dire que dans les évaluations, il y a bien des messages qui arrivent, et qui est une demande de plus en plus pressante de cette nouvelle génération, et qui est justifiée. Et ceci dit, on parlait d'ailleurs dans cette même salle ce matin des débats sur la diversité et sur la mixité, et je pense qu'effectivement, dans le débat homme-femme, qui fait aussi partie de cette génération et des préoccupations de cette génération, on voit bien que la diversité dans l'entreprise ou l'équilibre dans l'entreprise, il passera aussi d'abord par une évolution de l'équilibre, soit au sein de la société, soit au sein même de la vie des couples, ce qui a été dit ce matin dans la recherche de diversité et de mixité. Donc les évaluations, elles ne sont pas faites que dans un sens et de moins en moins, je dirais, parce que ces messages y remontent, pas que par des enquêtes, par des dialogues à l'intérieur de l'entreprise. Et croyez bien que dans les évaluations que l'on fait, que vous considérez comme top-down, il y a un grand nombre de messages qui viennent de la base. Question en haut, à droite pour moi. Est-ce qu'on peut apporter un micro ? Oui, Gouriot, Entreprise et Progrès. Avant, j'ai dirigé une multinationale qui a pas mal en commun avec Mazars. Une remarque d'abord. Le pouvoir. Vous partez tous d'une notion de pouvoir comme si c'était quelque chose d'absolu. Vous êtes donc, c'est un débat qui sonne terriblement franco-français. Et je crois que là, il faut quand même toujours rappeler cette espèce de caractéristique nationale qui est que le pays où le Führer Prinzip est le plus dominant, c'est ici. Et donc, il faut absolument toujours, quand on parle de pouvoir, dire contre-pouvoir. Et là, j'ai rien entendu. Désolé. Tout petit peu du côté de Mazars, parce qu'effectivement, il y a l'élection. Mais, et deux questions plus précises, l'une sur deux mots qui n'ont pas été prononcés, le mot de liberté, et j'étais un peu surpris qu'Isaac ne le prononce pas, parce qu'au fond, son livre, il s'appelle Liberté, et puis il n'a pas prononcé le mot liberté. Et dès l'instant entreprise parle, libérée, là, on... Voilà, ouais, ouais, ouais. C'est, bon, c'est attendez, le titre de mon ouvrage, Liberté et compagnie, je répète troisième fois. Non, mais j'ai... et l'éditeur, on n'a pas entendu l'éditeur. Merci, Fayard. Très bien, très bien. Mais en même temps, ce que je veux dire, dès l'instant où on parle liberté, on parle répartition de la liberté, répartition de l'autonomie, et donc là, un des thèmes chers à notre association, qui est la subsidiarité. Il n'y a pas le pouvoir d'un côté, et puis l'absence totale de management que pour laquelle Isaac plaide plus ou moins, il y a entre les deux quand même une organisation. Donc ça, le mot liberté, il faut l'utiliser, le pratiquer. Donc ça, c'est vraiment un mot important. Puis un deuxième mot, vous n'avez pas du tout prononcé, pas un seul client. Alors je vous rappelle la blague de François Michelin. Hein, qui est, François Michelin, quand il rencontrait les syndicats, il disait « c'est pas moi le patron, c'est le client ». Je crois que chacun des intervenants l'a prononcé. Question ? Allez, devant là. Non, c'est plus une interpellation. Et je veux qu'on ait le plus d'interventions possible. Merci beaucoup. Donc, jusqu'à présent, dans le débat, on a surtout évoqué un pouvoir structuré en lien soit avec une prise de décision qui appartient à une organisation ou qui est un petit peu plus consensuelle. Moi, j'aimerais qu'on puisse aborder un petit peu un pouvoir un petit peu plus implicite qui existe au sein des organisations, qui est le pouvoir d'influence. Et du coup, quelle est la place et quelle est la prise en compte de ce pouvoir dans le partage du pouvoir au sein des organisations ? Merci. Je pense que ça avait été sous-jacent à un certain nombre d'interventions, mais Isaac ? Je ne sais pas si ce que vous entendez par votre question, c'est ce qu'on appelle la place de la politique de l'entreprise. Et le phénomène est étudié, la politique, et
dans l'entreprise est inévitable, inévitable à partir du moment où vous avez des nœuds de pouvoir. Dès que vous avez un nœud de pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable de telle ressource, nommer quelqu'un, etc., ça implique que des gens qui ont besoin de cette ressource-là, ils vont faire du lobbying. La politique. On va essayer d'influencer cette personne-là qu'il plutôt donne un collaborateur dans mon service ou un tel budget pour moi et pas pour les autres. Donc la seule manière de ne pas avoir de la politique dans l'entreprise, c'est de ne pas avoir ces nœuds de pouvoir. D'accord ? Donc encore une fois, ce n'est pas une vue d'esprit. Je ne veux pas que les gens sortent d'ici parce que bon, monsieur, il a en l'occurrence, n'entend pas des mots que je prononce. Donc je vais quand même le dire. Hein. Et c'est pas une utopie, hein, ce que je propose, c'est pas une approche que j'ai pensée dans mon bureau, c'est quelque chose que j'ai observé dans une trentaine d'entreprises dont certaines, par exemple comme l'entreprise WL Gore, hein, qui fabrique Gore-Tex, pratique ça depuis 50 ans. Hein, c'est une entreprise qui pèse aujourd'hui 3 milliards. Encore l'année dernière, elle a pesé 2,5 milliards. C'est-à-dire qu'elle continue la croissance organique à peu près au rythme de 15% par an. Donc, et il y a des entreprises qui ont 30, 40 ans, et en France aussi. À ce moment-là, même cette année, il y en a 5-6 entreprises qui sont entrées dans cette transformation-là, donc libération de leur entreprise, et que je connais. Hein. D'ailleurs, ils sont parfois même décrits par les journalistes qui s'intéressent. Effectivement, ils vivent cette libération indirecte. Donc, pour répondre à votre question pour l'histoire des influences, je n'ai pas de solution pour l'entreprise classique. Je n'ai pas de solution parce que vous allez avoir toujours du lobbying, vous êtes toujours les luttes d'influence, etc., parce qu'il y en a des nœuds de pouvoir. La seule manière de concentrer, et c'est très, très nuisible, tout le monde s'accorde à ça, parce que ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui viennent à l'entreprise, ils dépensent toute leur énergie pour ramer dans la direction dans lequel l'entreprise veut avancer, c'est-à-dire promouvoir la vision. Tandis qu'on ne passe pas le temps à ça. On ne passe pas le temps à ça. Un tel leader ou manager, etc., il va passer le temps énormément dans les couloirs, dans les réunions, etc., etc., plutôt qu'être avec son équipe, être au service de son équipe. Donc c'est un vrai problème. Donc je n'ai pas, vu d'autres solutions radicales, hein, sous-entendu, parce qu'on peut effectivement trouver des solutions qui sont un petit peu palliatives, radicales, c'est de ne plus avoir ces nœuds de pouvoir. Et ça commence, alors le monsieur, peut-être je vais répondre parce qu'il va nous quitter, il va donner une mauvaise évaluation, je ne sais pas s'il y a des évaluations. Nous, en tant que professeurs, on est habitués, toujours être évolués, nos élèves nous font évoluer, hein, et ça a une importance dans la carrière, si vous voulez faire une carrière dans mon chère école. Donc répondre à est-ce qu'on donne le pouvoir ? Donc vous avez votre pouvoir statutairement. Pour moi, le fait est que la majorité des gens qui sont nommés numéro 1, ils vont prendre ce pouvoir et ne pas le donner. Évidemment. Or, on a besoin que lui, ce pouvoir, il le donne à des gens qui ont le vrai pouvoir pour changer des choses. C'est eux qui rament. Et comment ? D'ailleurs, quand vous discutez avec ces gens-là, ils ne se rendent même pas compte parce que tout est dans les implicites, tout est dans le symbole. Vous voyez, je donne, c'est une caricature, peut-être monsieur va dire c'est une caricature. Et pas tout le monde le fait, mais vous imaginez que le nouveau patron, la première décision, le premier geste, il va changer le mobilier de son bureau. Mais c'est fini, il a pris le pouvoir, il est arrivé, il s'installe. Vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça qui font finalement que les gens, à un moment donné, bah, ils disent, bon voilà, nous, on peut faire des choses, mais pourquoi vous voulez que je travaille pour changer le cuir dans le fauteuil du président ? Jean-Claude ? Non, il ne faut absolument pas caricaturer. D'abord parce que moi, j'ai trouvé des meubles qui avaient déjà été utilisés, j'ai utilisé les mêmes pendant 20 ans et mon successeur utilise les mêmes. Et on ne va pas se poser comme des exemples à cause de ça, évidemment. Mais on nous a beaucoup reproché de ne pas aborder un certain nombre de sujets. On ne peut pas tout aborder en une heure. Moi, il y a un sujet que j'aimerais mentionner au moins pour qu'on ne fasse pas ce reproche. C'est quand même la co-gestion. Vous avez mentionné qu'il devrait y avoir peut-être des clients et puis les salariés et les actionnaires au conseil d'administration. Alors, deux remarques. Premièrement, c'est très difficile de faire collaborer ou coopérer à une même décision des gens dont les enjeux ne sont pas les mêmes. Quand je suis arrivé à la MAF, on était à la veille de la faillite et il a fallu réduire les effectifs. Qui est-ce qui était concerné ? Le personnel. Les clients, ils ont traversé la rue. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point,
il y a dans toutes ces questions une dimension culturelle, je l'ai dit tout à l'heure. À propos de la porte ouverte ou de la porte fermée, par exemple, il y a un sociologue anglais qui s'appelle Hall qui a écrit La dimension cachée, qui montre bien que ça n'a pas le même sens aux États-Unis et en Allemagne. En Allemagne, on ferme sa porte et ça n'a pas du tout de signification négative. En Allemagne, aux États-Unis, on la laisse ouverte. On est dans des contextes culturels différents. Et concernant la participation des salariés au conseil d'administration et à la décision, vous savez bien qu'en Allemagne, on pratique la cogestion. En France, les institutions syndicales refusent la cogestion parce qu'on veut pouvoir contester et ne pas être responsable des décisions difficiles. Il y a un moment pour sauver l'entreprise, et on l'a sauvée. Il a fallu réduire les effectifs de 10%. Il a fallu réduire les rémunérations. Je n'ai pas cherché à avoir le consensus. Aujourd'hui, l'entreprise a doublé de dimension. Et on a créé 4000 postes. OK ? Mais les syndicats ont accepté, mais il n'était pas question qu'ils participent à la décision. Donc, ne mettons pas pour une décision des gens qui ont des responsabilités, des gens qui vont supporter les conséquences des décisions, et d'autres qui ne sont simplement que des touristes, comme le consommateur qui peut effectivement changer de trottoir pour trouver un autre fournisseur. Philippe, très vite. Pas une conclusion, simplement c'est un mot qu'on n'a pas prononcé non plus en dehors de celui d'équilibre que j'aimais bien tout à l'heure et que j'ai mis sur la table, c'est celui d'intergénération. Parce qu'en fait aujourd'hui dans le monde difficile où on se trouve, il y a toute une génération de jeunes qui ont un mal que l'on n'a pas connu nous dans notre génération à rentrer sur le marché du travail, qui galèrent d'un stage à l'autre pendant des mois ou des années. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui arrivent en fin de carrière et qui n'arrivent pas non plus à se retirer. Donc en fait, quelque part, l'accompagnement du passage du savoir entre ces générations aujourd'hui, pour la société cette fois-ci, et pas que la société française, hein, parce que là on est vraiment dans un problème qui est beaucoup plus international que celui simplement de la France qui a été évoqué tout à l'heure, je pense qu'effectivement l'accompagnement du passage entre les générations est quelque chose qui n'est pas assez travaillé par les pouvoirs publics d'une part, et probablement par les entreprises, pour favoriser évidemment cette insertion des jeunes et cette passation à une autre vie qui est celle de l'après-travail, pour les aînés. Je pense que ça fait aussi partie de la mission que l'on a lorsqu'on dirige une entreprise pour sa pérennité et pour l'accompagnement de la transmission du savoir entre les générations. Merci. Au-delà du débat sur le pouvoir à prendre, à donner, à partager, à remettre en cause, à légitimer, juste 5 points que je retiens de cet échange. Premièrement, pas de partage des pouvoirs sans partage des responsabilités. Deuxièmement, pas de vrai leadership sans recherche d'un vrai consensus qui passe par un partage au moins de vues et aussi d'intérêts, de positions. Les entreprises peuvent être libérées, ça peut être utile. Le respect est essentiel. Et enfin, on n'a pas fini de ramer. Merci à tous, merci de descendre par devant. Bonne continuation.